Le commandeur est votre format de prédilection? Après un an et demi sans eux, les événements vous manquent? Alors venez jouer, drafter et gagner des prix au deuxième week-end de la Tour de Commandement, les 28 et 29 août à Thiézac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette annonce concernant le week-end de la Tour numéro 2. Alors si vous vous demandez ce qu'est le week-end de la Tour numéro 2, vous ne savez pas. Eh bien il faut aller voir la vidéo qui est justement dans la description de la vidéo ici. Il y a également une brochure pour savoir tout ce qui se passe durant ce week-end de la Tour, qui est en fait dédié au commandeur multi et qui est là pour que vous puissiez prendre du plaisir en jouant à ce magnifique format. Voilà. J'ai deux annonces aujourd'hui, enfin trois techniquement, mais j'en ai deux assez importantes, je pense que vous les attendiez, enfin une que vous n'attendiez pas, c'est une petite surprise en plus. Mais l'autre que vous attendiez certainement concernant les dernières annonces au niveau sanitaire. Mais on va pas commencer par celle-là, on va commencer par la bonne nouvelle, la belle annonce. C'est que nous avons une boutique partenaire qui va venir sur l'événement, c'est Relique TCG. Si vous les connaissez, ils sont maintenant à Toulouse. Si vous avez déjà fait d'autres grands événements dans Magic en France, globalement ils ont tendance à s'y retrouver assez souvent, hein, voilà, avec un grand stock de cartes à l'unité, mais également bah voilà, ils rachètent aussi des cartes, ils ont également des accessoires, des boosters, des produits, enfin bon, je vous passe tout le détail, je pense que vous savez ce qu'est une boutique Magic, et du coup ils seront là avec nous pendant tout le week-end, et ils auront leur propre stand avec leurs propres produits. Et voilà quoi, du coup on est très content de les accueillir, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir les avoir en tant que partenaire pour cet événement et les avoir sur place du coup pour leur, vous proposer absolument tout ce qu'ils ont en stock. Voilà, donc ça fait plaisir. Et ils en profiteront également pour racheter vos cartes à l'unité. Et du coup le prize hall ne le fera pas hein, comme on avait prévu à l'origine puisqu'on n'avait pas prévu que du coup on aurait Relique avec nous. Mais voilà, du coup le prize hall ne fera plus le rachat, c'est Relique qui s'en occupera. Et surtout, j'en profite également pour rappeler une petite règle quand même qui est dans le règlement de l'événement, c'est que les ventes de cartes sont interdites sur le lieu de l'événement, voilà, sur le lieu du week-end. Mais bien sûr, voilà, si vous voulez échanger, il n'y a absolument aucun problème, mais les ventes sont interdites pour une raison très simple, c'est qu'on a une boutique partenaire qui vient exprès, qui fait les dépenses exprès pour venir sur place. C'est quand même pour qu'ils puissent vous racheter les cartes et voilà, qu'ils puissent faire un petit peu, voilà, qu'ils puissent faire affaire avec vous. Voilà, donc c'est tout à fait normal et c'est d'usage d'habitude sur les grands événements Magic. Donc, globalement, vous êtes au courant, Relique sera là et ils auront du coup tous les accessoires et les cartes dont vous aurez besoin et que vous ne pourrez pas trouver au prize hall, voilà. En tout cas, ça nous fait très plaisir de les accueillir sur cet événement-là et on espère les revoir sur les suivants également. Et on espère que ça vous fait plaisir aussi. Sinon, la deuxième annonce, c'est une petite annonce entre les deux, puisque on a fini en gros la phase de sondage pour le covoiturage, et ceux qui nous avaient donné du coup leur disponibilité, leurs moyens de transport, etc. disponibles, eh bien, vous avez normalement reçu un ping sur le Discord pour pouvoir vous organiser. Et je vous avoue que j'étais assez impressionné du nombre de personnes qui veulent venir ce week-end, et surtout, vous venez des quatre coins de la France, donc vraiment, merci à vous. Et si jamais il y en a d'autres qui souhaiteraient se greffer sur d'autres covoiturages, eh bien écoutez, venez sur le Discord de la Tour, c'est également dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et voilà, il paraît qu'il y a un channel exprès pour ça, et que bah, là-dessus, il y a le covoiturage qui s'organise globalement. Et si vous souhaitez vous rajouter, bah, vous pouvez voir avec les personnes directement proches de chez vous. Voilà. Et enfin, je terminerai ces annonces par la dernière grosse annonce, je pense que vous en doutiez un petit peu. Non, l'événement n'est pas annulé, sinon ça serait un petit peu ridicule de parler de ce dont j'ai parlé avant. Mais en gros, comme ça va être légalement obligatoire, le week-end de la Tour sera soumis au pass sanitaire. Donc, alors pour ceux qui se posent la question, et voilà, avant que certains commencent à quitter la vidéo en disant « Oui, c'est bon, je vais pas venir et tout, j'ai pas envie de me faire vacciner », libre à vous, honnêtement. Voilà, c'est vos convictions, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais globalement, le pass sanitaire ne se résume pas uniquement au fait d'être vacciné. Je tiens à le rappeler, il y a également tout simplement les tests. Tests PCR, tests antigéniques, qui sont acceptés dans le cadre du pass sanitaire, et qui du coup devront être faits 48 heures avant l'arrivée sur l'événement, donc on considère que c'est le samedi matin, si vous venez tout le week-end, on n'est pas nonneux, on va pas vous demander à ce que le pass soit fait, enfin que le test soit fait 48 heures avant le dimanche matin, hein, voilà. Donc globalement, si vous venez à partir du samedi, il faut que votre test, il ait été fait le jeudi, quoi, en gros, globalement. Donc, voilà, ça vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Aussi, pour information, techniquement, les tests... Il y a des tests antigéniques qui sont réalisés à la pharmacie de Thiézac, qui est juste à côté de l'événement, et juste à côté de l'hôtel le plus proche d'ailleurs aussi, si jamais certains y logent. Donc voilà, du coup, je sais que ça va en embêter beaucoup, qu'il y en a qui ne veulent pas être vaccinés, du coup il y a la solution du test. Si vous pouvez être vacciné avant, tant mieux, et voilà, je pense que ça sera un peu plus sécurisé.
Et globalement aussi, ça je l'annonce, c'est pas obligatoire normalement, mais nous on le met en place. Globalement, le masque sera obligatoire tout le temps à l'intérieur de la salle. Voilà. Et il y aura en plus des mesures en plus avec le gel hydroalcoolique pour éviter de, bah de par exemple, quand vous regardez les cartes sur le prize ball, de mettre des germes, du virus sur les cartes, sur le matériel. Donc du coup, voilà, globalement, ça va pas être énorme, hein, vous inquiétez pas, on sera là pour vous accompagner, vous informer sur place. Mais globalement, voilà, le masque obligatoire, il y aura des zones pour manger à l'extérieur. Donc voilà, on aménagera tout ça pour que vous soyez le plus à l'aise possible et que vous soyez tranquille et voilà, vous puissiez enlever le masque pour manger, boire, etc. Prendre une petite pause. Voilà, voilà. En tout cas, ce sont les mesures principales qu'on va mettre en place. Si jamais vous aviez déjà commandé vos tickets et que vous souhaitez vous faire rembourser parce que vous voulez pas venir à cause du pass, bah écoutez, envoyez-nous un mail à tourdecommandement@gmail.com et puis voilà, on en discutera et puis on verra pour mettre ça en place. Voilà. Pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, vous allez avoir également sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, eh bien je vais m'amuser durant le mois à venir, hein, juste avant l'événement, à vous montrer certains des lots qu'on a disponibles pour vous durant ce week-end. Et donc vous pourrez vous amuser à regarder un petit peu ce qui vous attend et ce qu'on a en réserve. Alors je ne révélerai pas tout parce qu'il y a des choses qu'on a mis de côté, des nouvelles choses depuis la première annonce du week-end. Ce qui fait d'ailleurs que le prize hall est monté à 6 000 € actuellement. Donc ouais, j'espère que ça vous fera plaisir de pouvoir mettre la main sur tout ça. Et écoutez, ben du coup, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en apprendre plus. Voilà. Et puis là-dessus, je vais vous laisser. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ben au week-end quoi. On espère vous voir là-bas. Sur ce, à la prochaine et salut à tous. Bye bye.